Vendredi 5 février, gare de Villeneuve-sur-Yonne. SNCF Réseau présente le lancement de sa démarche de transparence sur les travaux menés dans le cadre de la modernisation et de la maintenance du réseau ferroviaire. Alain Vidalis, secrétaire d'État en charge des transports, s'est déplacé pour l'occasion. Il est accueilli par Jacques Rapoport. La maintenance est essentielle pour la sécurité et la régularité du chemin de fer auxquels les Français sont si attachés. La maintenance ne se voit pas, la maintenance ne s'inaugure pas, mais c'est l'hygiène de vie du réseau ferroviaire. Pour répondre à la demande du gouvernement, SNCF Réseau s'est doté d'outils permettant une transparence totale sur les opérations de maintenance réalisées sur toutes les lignes en France. C'est le site de SNCF Réseau. Le plus intéressant, c'est d'aller directement sur cette carte interactive. Donc en ligne depuis ce matin, on peut aller à Paris-Saint-Lazare par exemple, et puis on peut cliquer sur la ligne qu'on souhaite. Voilà, c'est la ligne Paris-Saint-Lazare au Havre. Et on voit qu'en décembre 2015, il y a eu 45 024 mètres de caténaires entretenus, 212 contrôles. SNCF Réseau améliore encore le site. En juillet 2016, les usagers pourront consulter les opérations de maintenance programmées pour les semaines à venir. Grâce à sa nouvelle démarche de transparence, SNCF Réseau communiquera au public toutes les informations sur le travail accompli ici. Pour les équipes de ce chantier de renouvellement de voies ballast à Villeneuve-sur-Yonne, c'est un progrès considérable. Je pense que c'est plus transparent, et puis pour toutes les équipes, toutes les gens qui travaillent sur la voie, c'est assez valorisant. On a l'impression de pouvoir montrer notre savoir-faire, d'apporter aussi une espèce d'expertise en termes de sécurité aussi, hein, parce qu'on met la sécurité dans un premier plan. Moi je trouve que c'est un outil très important, je l'ai voulu, que nos concitoyens puissent accéder chaque jour à cette information-là, je pense que c'est important, la transparence, la confiance. En 2016, ce sont 4,9 milliards d'euros qui seront investis dans la maintenance ferroviaire, soit 200 milliards de plus qu'en 2015.